Donc on est ici dans une carrière aujourd'hui abandonnée depuis les années 60 qui appartenait à la famille Giraud et qui a été exploitée en fait sur trois générations depuis la fin du 19e jusque dans les années 60. Alors fin du 19e, début 20e, elle a servi pour l'extraction de blocs de pierres de taille qui ont été mises en œuvre à Lyon. Et puis après, à partir des années 20, elle a été exploitée uniquement comme fondant, enfin ce qu'on appelle la castine, c'est-à-dire qu'on concassait le calcaire et on l'envoyait comme fondant. On l'envoyait au four à chaud de Givors et puis de Chasse-sur-Rhône. Et l'activité s'est poursuivie jusque dans les années 60. Alors l'autre détail, c'est qu'en fait, il y a une petite curiosité géologique ici. Il y a une faille qui met en contact différentes couches de terrain et donc la carrière Giraud est mentionnée sur le guide géologique. Et puis il y a souvent des chercheurs de fossiles qui viennent prospecter ici. Alors l'intérêt, bien sûr, c'est qu'on peut faire des essais sans risquer de blesser personne, puisqu'on est sur un espace à la fois très plan et puis entouré de falaises. Donc aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un temps relativement clément. Donc personnellement, j'étais très très impressionné par la machine. Bon, les résultats pour l'instant sont modestes, mais je pense que ça va être amélioré. Mais simplement voir cette machine monter, la voir fonctionner, c'est déjà un très beau résultat, je trouve.